Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier Vlogmas 2019. Donc je sais pas par où commencer, il est hyper tard. Donc j'ai eu cours ce matin, je vous ai pas pris parce que voilà, le matin j'ai la flemme de prendre en vidéo. Et ensuite j'ai directement travaillé à mon boulot et je suis rentrée tout à l'heure. Donc là il doit être, je sais pas, 22h. Ce vlog n'a aucun sens, il est 23h30. Tout est normal. Je commence mon vlog 30 minutes avant la fin de bon bref. Donc voilà, aujourd'hui, enfin ce soir, on a mangé, ça, on a fait une lessive, etc. On ne s'est pas trop montré. Et là, on va aller chercher les décorations de Noël à la cave. Donc, voilà. En fait, nous, on est très très nuit. On dort plus le matin et on vit plus la nuit. On est un peu bizarre, je sais. Mais voilà, on va aller à la cave chercher tous mes cartons. Bon allez, c'est parti, on va se mettre en tenue puisque... Oh, la tête que j'ai quand même, c'est dingue ça, oh mon dieu. Alors on va chercher des décorations de Noël, faut qu'on passe de la place dans le salon. Hein. Et on a même pas le petit truc à roulettes. Bah pour prendre les cartons. On va devoir se les taper un par un à la main. Bon, il va falloir faire de la place hein, Bichette. Tes jouets là, faudra les ranger, hein. Parce que... hein. Wow. Alors il a fait du comment dirais-je, du... Genre il a sauté dans son panier il a bougé en mode surf. C'est trop drôle. Hop, et ma Bichette, bah oui, on va pouvoir ramener les décorations de Noël, il y en aura partout dans l'appartement. Ça va être quelque chose encore, hein. T'as pas intérêt à me casser mes boules, hein. Au sens propre comme au sens figuré. Donc là, on commence à un vlogmas à 23h30, tout est parfaitement normal. Donc il faut qu'on amène toutes les décorations de Noël, donc il y en a pas mal. Mon sapin déjà de base, et après il y a plusieurs cartons avec des trucs de Noël. J'espère que j'avais tout bien rangé, on va espérer, mais en fait tout est dans le fond de la cave. Et en fait il faut déblayer, j'essaie de vous montrer en vidéo avec mon téléphone, si j'ai assez de batterie, je vais essayer de vous montrer comment c'est. En fait dans l'allée il y a tous les meubles de l'ancien proprio en fait, qui étaient en fait sur les murs. On les a détachés, on les a mis dans la cave, tu vois, parce qu'on n'allait pas les garder, ces meubles ils sont moches, enfin voilà, sans dénigrer la décoration de monsieur, voilà. C'est moche. Donc on les a mis à la cave pour les garder avec le bidet, etc. Enfin tout. Et donc c'est tout dans l'entrée. Donc il faut tout déblayer l'entrée pour pouvoir accéder au fond de la cave avec toutes les valises. Oh, il y a des valises et tout de fringues que je dois vendre, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre en photo. Et Vinted, ça marche pas de fou non plus, tu vois. Donc sinon en fait le samedi j'ai cours à 10h. J'ai cours de 10h jusqu'à 13h. Et ensuite à 14h j'ai mon boulot jusque 19h. Voilà, après je rentre, je mange, je sors birdie et tout le bordel. Après bah, je peux enfin me poser, donc vers 21h, 21h30, 22h je suis posée. Et donc là on regardait un peu les replays et tout. Je dis bah en fait il serait temps de filmer les enfants, j'avais complètement zappé. Faut qu'on ramène les décorations parce que demain il y a mes beaux-parents qui viennent pour faire le sapin. Donc il faut qu'on se dépêche de tout ramener et de ranger un peu pour laisser la place aux décorations. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, avec tous mes petits bonhommes, je sais pas si je pourrais les mettre mes petits bonhommes, je pense pas. Je vais essayer de voir sur le balcon. Il faudra aussi enlever les décorations d'automne. Je sais même pas quoi faire de ça, je sais pas si ça pourrit ou je sais pas. Je sais pas quoi faire. On verra ça aussi pour les décorations d'automne. Ah, je sais pas si je peux t'emmener à la cave, hein. Il y a peut-être de la morora, j'ai pas envie que tu bouffes ça. Et mon chat, ouais. Bichette. Oh, t'es beau, mon chat. Et c'est tout là-bas. Là-bas. On voit les trucs de Noël là-bas. En soi, il n'y a pas grand-chose à déblayer. Bah, il y a tout ça. Il y a tout ça. En fait, il y a juste cette allée-là. Voilà, on n'a pas beaucoup de place pour tout déballer, comme vous pouvez voir. Donc, ça va être le caca. On a bien vidé déjà là. En fait, tout ça là, c'est que des trucs que je dois vendre. Donc je pense qu'un jour on va faire un grand tri. Putain, il n'y a pas grand chose là-bas. Bah, j'avais tout scindé dans un seul carton. ça c'est pas le même délire. Moi bah, je suis contente. Oh, ça va aller vite là. Ouais. On laisse juste le trou là pour remettre les décos après. Et... le bordel. Ça va, franchement, y a pas... franchement je m'attendais à pire. Hein. Je pensais que j'avais 15 milliards de cartons en fait, non. Pas énormément de cartons les gars, je suis fière de moi. Hein. 4, sachant qu'il y en a un que c'est pas 6, à moi. 8, ouais, tu disais un peu. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En fait, ce qui prend, enfin, ce que j'ai le plus, c'est des bonhommes. Genre là, ce carton, c'est que des bonhommes lumineux. Là, dans le carton, il y a mes calendriers de l'avant. J'avais gardé les collecteurs, donc ça sert à rien de le garder. Celui-ci, je le remettrai à la cave. Et là, c'est que des bonhommes lumineux. Là, c'est mon sapin. Et ensuite, là, c'est les décorations de Noël que j'avais acheté la dernière fois. Si vous avez vu mon vlog, j'essaierai de vous le mettre dans le petit
si j'y pense. Là, c'est là où il y avait mes décorations d'automne, etc. et de Noël un peu. Donc je mettrai mes décorations d'automne là-dedans. Les petites branches là, vous savez, les branches... Je sais pas si je me fais encore les branches dorées ou si je m'achète chez Truffaut là les magnifiques branches enneigées d'eucalyptus, c'était magnifique. Ensuite, bah, j'ai pris l'escabeau pour mettre les guirlandes, si je les retrouve, je ne sais plus où elles sont. Les guirlandes que je mets, vous savez, au mur. J'ai jamais fait ça, donc on va tester ça, on va voir avec mon beau-père comment on peut les installer. Là-dedans, dans ce carton-là, c'est celui que j'aimerais donner. Bah, déjà, à ma sœur, peut-être, si elle en veut. Je voulais déjà montrer ça dans mes vlogmas l'année dernière. Bah, je mets pas ça, enfin, c'est ce qui me reste de ma mère, donc ça m'intéresse plus. Là, c'est d'autres boules que j'avais achetées là aussi, donc en gros j'ai ça et ça de boules avec des bonhommes, des maisons, etc, de trucs de Noël. Et en fait, pour savoir, ceux qui me suivent que maintenant, j'ai acheté toutes mes décorations après les fêtes de Noël quand c'était à moins 80% et moins 50% à Truffaut et à Leroy Merlin. Donc à Leroy Merlin, j'ai acheté énorme, enfin c'est mon père qui m'a acheté mes premières boules de Noël avec mon sapin de Noël, c'est mon papa qui me les a achetées. Je vous avais fait aussi un haul sur tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos l'année dernière. Il m'avait acheté mon premier sapin, etc. Et donc c'est un 1m50 mon sapin. Ouais, c'est 1m50, je pensais qu'il était plus grand. Mais non, c'est le 1m50, je pensais que c'était 1m80, j'étais persuadée. Mais en fait, franchement, ça va dans une pièce. Déjà à Versailles, ça faisait gros, imagine ici. Donc je pense que ça va bien être ici, ça va être parfait son endroit là. Après, j'espère que le chauffage va pas trop chauffer. Donc moi, c'est la marque Everlands, donc c'est une très bonne marque. J'avais acheté, je crois que c'était à Leroy Merlin, quand c'était à moins 80%. J'ai dû le payer 20 balles, même pas 20 balles. Il était à plus de 100 euros et j'ai vraiment payé pour rien du tout. Tous les bonhommes, c'est pareil. Donc j'ai le petit bonhomme comme ça. J'ai le petit chouchou. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Ah oui, c'est ton premier Noël, mon chat. Hein, mon but, c'est que mon copain aime Noël à la fin de ce mois de décembre. Ce qui n'est vraiment pas gagné, mais vraiment pas. Bon, bref, il est 1h30 et je vais aller me faire mes soins là. On va baisser la cuvette des chiottes pour pas que vous ayez ça en visuel. Ce serait peut-être mieux, Elisa. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis pas maquillée aujourd'hui. Je vais pas mettre de lotion. Je vais prendre un tonique. Je vais prendre mon tonique. Ah, mais c'est vrai, j'ai cassé mon truc à brosse à dents qui tenait tout. Genre, mon truc à brosse à dents, il tenait tout mon système de caméra. Donc, si je mets ça comme ça... Ça va se casser la gueule. Mon truc à pompe, là, vous savez, le push-push. Sur la vue de ça, c'est sympa. Des peignoirs qui sont en train de sécher. Bon, on va se prendre... Hop, un petit tonique. Bon, ça, je l'avais déjà présenté. C'est la lotion qui vient de chez YesStyle. Et Bichette qui est en train de faire caca derrière. Oh non, mais ce vlogmas. Bichette, t'es obligée de chier pendant que je fais mes trucs, là? Oui, maman. Oh, putain. Non, mais il abuse, sérieux. Mais oui, mais j'ai envie de faire caca. Oh, t'abuses. Laisse-moi faire du plou-plou. Bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous vouliez des vlogs très naturels, très très peu parfaits, etc, bienvenue sur ma chaîne. Là j'ai mis ma petite lotion, ça m'a bien nettoyé le visage. Je vais mettre ma brume. Bichette, on a vraiment compris, je te jure qu'on a compris que t'as fait caca, c'est content, c'est bien, c'est super. Bichette, on a compris, je te jure. Hein. Ah oui, je prends le polar, ça j'utilise tous les soirs quasiment, mais mon contour de l'œil. Et là pour le crème de nuit, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai mis un masque de nuit hier, j'ai pas envie de remettre quelque chose. Oh, ça pue hein, Bichette. Hein. Oh non, mais là, c'est pas possible. Oh la vache. Prendre mon petit baume qui vient de chez Nuxe pour les lèvres. Il est très riche. Donc ça, je le mets pas en journée, je le mets que la nuit. Ça, je le mets que la nuit parce qu'en journée, il est vraiment trop trop gras pour moi. Là, je sais pas pourquoi, j'ai une éruption de boutons là, faudra m'expliquer. Mais demain, ça va partir, tu vois. Genre demain, j'aurai plus rien. Genre d'un seul coup, coup de stress, hop... Parce qu'en fait, je me suis dit, merde, si je dois filmer le 1er ou le 30. Et en matin, je me suis dit, je dois avoir une vidéo le 1er, tu vois, comme un calendrier de l'avant. Donc, faut que je filme le 31. J'avais complètement zappé mes genres de fou. Donc, j'ai eu un coup de pression en mode, oh, j'aimerais pas filmer le vlog et tout. Et là, ça fait des morceaux. C'est dégueulasse. Ça fait des morceaux. C'est pour ça que j'aime pas le mettre en journée parce qu'il est. Ça fait des fils, c'est pas terrible. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui arrivent, qui débarquent. Nous allons vivre 25 jours ou 24 jours, je ne sais pas, on verra en fonction de moi, avec moi, dans mon quotidien. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo qui vous résume ce qui va se passer ce mois-ci, c'est donc aujourd'hui qu'elle est sortie, donc enfin, pour vous hier, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça, ça vous résume bien ce qui va se passer. Donc pour ceux qui disent, ah, oh, pourquoi on a une vidéo face cam, etc, on devait pas avoir un vlog, bah, allez voir ma vidéo directement. Ce fut un vlog de même pas une heure que j'ai filmé. J'espère que le contenu sera assez intéressant pour vous. Je suis en quête d'exploration. Je m'appelle Bichette.
que tu fais? En fait, il a eu son terrain de jeu là, et le lit tranquille. Une bichette, regarde, c'est moi ce petit nez là. Cousy, 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 cousy. Ah, je me fais attaquer. Donc je vais vous montrer juste demain, en fait, pour vous maintenant, ce qu'il y a à l'intérieur de mes cartons pour que vous voyez vraiment ce qu'il y a, que vous ayez une idée de comment va être la décoration. Demain, on attaque le sapin. Et après-demain, je pense qu'on va fignoler les détails parce qu'il y a plein de choses à faire. Je pense pas que demain, j'aurai le temps de tout faire. Parce que demain, en plus, je travaille, je bosse toute l'après-midi à mon boulot. Donc pour ça, toute la matinée, on va devoir faire le sapin avec belle-maman et beau-papa. Donc je vais vous montrer ce que j'ai dans les cartons. Alors, donc là, dans le premier carton, on a toutes mes boules que j'avais achetées à Leroy Merlin, Action et tout ça, tout ça. Donc il y a pas mal, il y a pas mal de choses. Oh, mais je vais jamais y arriver. Bref, en gros, vous avez des attrape-rêves, des petites pommes comme ceci. Ça, c'est mes préférées, ça. Ça, je vais les réutiliser cette année. J'ai des boules ici lumineuses. J'ai d'autres boules ici. J'ai des boules qui viennent de chez Maison... Ah, je crois que c'était, ça venait de chez Maison du Monde, ça. J'ai des boules qui viennent de chez Maison du Monde juste là. Enfin, moi, j'ai pas mal de petites boules. Là, ici, c'est les boules que je pense que je vais donner parce que je vais pas les utiliser. Ces couleurs-là, ce n'est pas du tout le thème que je veux faire et que je vais faire dans ma vie. Je pense pas que je vais aimer ce genre de boules. Donc tout ça, là, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans, ça sera à donner. Donc je sais pas à qui donner. Déjà, je vais voir avec ma famille. Et s'ils ne veulent pas certaines boules, bah, je les donnerai à une asso ou à des voisins, j'en sais rien. On va voir. Ensuite, là... Ah oui, c'est toutes mes décorations que je mets, vous voyez, au pied du sapin. Donc il y a mes grosses boîtes où il y avait des cadeaux à l'intérieur. Il y a des sapins lumineux, il y a des guirlandes. Ça, c'est ma guirlande qu'il y a pour le sapin. Je sais pas où j'ai mis la guirlande qui vient de chez Action. Je crois que j'ai dû le mettre dans un placard, mais je ne sais plus où. Donc il faudrait que je retrouve. Donc j'ai des petites... comme ça, oh là là, faudra que je refasse tout parce qu'il a dû prendre un sacré coup. Plumes, il y a des... il y a vraiment partout. Donc voilà, ça c'est d'autres guirlandes, d'autres petites boules. Ça j'adore, c'est tellement beau quand ça allume ce genre de sapin. Mais il y a des petites boules là aussi. Oh là là, j'aurais dû les mettre un peu mieux. Et je crois que dans les boîtes il y a des choses aussi. Ah, j'avais déjà une grosse maison comme ça, je savais pas. J'ai des petits personnages aussi. Ça j'avais acheté ça à Leroy Merlin à moins 80%. Ça m'avait coûté genre... 80 centimes. Ensuite, j'ai tous ces petites gugus lumineux que j'avais acheté à Leroy Merlin aussi à moins 80%. Là aussi, c'est pareil. Alors, j'achète des piles parce que là, avec tous les petits trucs. Et là, ici, c'est tous mes bonhommes lumineux. Donc, on a le Père Noël. Nous avons le pingouin. Trop beau le pingouin. Nous avons. C'est plein de poussière. Le chouchou. Là-dedans, il y a mes calendriers d'avant que j'avais gardés, les collectors que j'aimais beaucoup, vous savez, le rituel, etc. Donc je vais les remettre à la cave. Et là-dedans, c'est tous mes autres bonhommes lumineux. Donc on va faire un tri, on va pas tout garder à la maison, bien sûr. Bah voilà pour tout ce que j'ai. Un chic-chic. Donc bah voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ce petit vlogmas vous aura plu. Demain, on attaque vraiment les choses sérieuses. Là, c'était vraiment un petit vlog parce que j'ai complètement zappé de vlogger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne, juste si c'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.